La chancelière allemande met en garde son homologue britannique qui envisage de restreindre le nombre d'immigrés provenant de l'Union européenne sur son sol. Inacceptable pour Berlin, hier, sur le site du quotidien allemand Der Spiegel, Angela Merkel rappelait David Cameron à l'ordre. L'acquis fondamental qu'est la liberté de circulation au sein de l'Union n'est pas négociable pour l'Allemagne. Voilà ce qu'a dit la chancelière, souligne le porte-parole d'Angela Merkel. Nous avons tout intérêt à travailler ensemble pour la liberté de circulation afin de lutter ensemble contre son utilisation frauduleuse. Un rappel à l'ordre qui n'effraie pas le chancelier de l'échiquier britannique. Nous nous battrons pour nos intérêts pour être sûr que la Grande-Bretagne obtienne un accord équitable avec l'Europe. Le peuple britannique aura le dernier mot par référendum, prévient George Osborne. Avec la percée du parti eurosceptique UKIP, Londres fait de l'immigration l'un de ses thèmes de prédilection. Qu'en pensent les Anglais ? Je n'ai pas de problème avec les immigrés, mais je comprends la frustration de certains. Des gens viennent sans vouloir travailler pour bénéficier davantage, estime ce marchand de Rochester. Ici aura lieu prochainement une élection partielle que le candidat du UKIP pourrait bien remporter.